L'abbaye de Notre-Dame de Carnoët, ou Saint-Maurice de Carnoët, est une ancienne abbaye de l'ordre cistercien. Carnoët fait partie des quatre abbayes cisterciennes de Cornouailles, avec Coat-Malouin, Bon Repos et Langonnet. En 1170, Conan IV, duc de Bretagne, donna aux cisterciens de Langonnet des terres situées au bord de la rivière Laïta, en lisière de la forêt de Carnoët, dans le diocèse de Quimper, pour y établir une abbaye dédiée à Notre-Dame. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église. Sache tous les enfants de l'Église, tant présents que futurs, que moi, Conan, duc de Bretagne, comte de Richemont, je donne par pure charité pour la rédemption de mon âme et de celle de mes parents défunts et de mes successeurs, aux religieux de Langonnet, pour qu'ils y fondent une abbaye, la terre que je possède aux limites de la forêt de Carnoët. La fondation fut confiée à Maurice, abbé de Langonnet. Elle fut réalisée entre 1170 et 1177, au cœur de la forêt de Carnoët. L'abbé écrit : la terre était hostile, marécageuse, envahie de serpents, parcourue par les loups. Le pays n'est néanmoins pas désert et dans les villages à proximité, on vit du commerce fluvial qui circule sur la Laïta. On y voit des bateaux de 10 à 60 tonneaux, avec des équipages comprenant jusqu'à 15 hommes, qui remontaient jusqu'au port de Quimperlé. Le monastère était une étape sur leur chemin. À 200 mètres passait aussi l'ancienne voie romaine, encore très fréquentée, menant de Hennebon à Banalec. Le site était donc plutôt bien choisi pour ses possibilités commerciales. Né dans le Morbihan vers 1113, Maurice Duhaut fut abbé de Langonnet à 30 ans. En 1177, il devint le premier abbé de Carnoët. Il s'y établit avec 12 religieux. Il y restera jusqu'à sa mort en 1191. Enterré dans l'église de l'abbaye, on pouvait encore voir sa tombe au XVIIe siècle. Sa biographie en latin, écrite par un abbé de Carnoët au XIVe siècle, lui attribue plusieurs miracles de guérison, de son vivant et dans les décennies suivant sa mort, ce qui lui valut la dévotion du peuple qui le considéra comme un saint. Vers 1223, le clergé local demanda au pape Honorius III la canonisation de Maurice, déjà sanctifié par le petit peuple. Les démarches entreprises n'aboutirent jamais. Cet échec, pourtant, n'arrêta nullement le culte naissant. On retira de terre une partie des ossements du saint, qui fut placée dans une châsse et conservée à l'église paroissiale de Cloire-Carnoët. La tradition raconte que l'on faisait trois fois le tour du reliquaire pour être préservé des fièvres et des convulsions. Dès le XIIIe siècle, l'abbaye Notre-Dame prit le nom de Abbaye Saint-Maurice. Pendant six siècles, des moines cisterciens firent vivre le domaine en organisant l'espace autour de l'abbaye pour permettre une autarcie maximale.
Selon la règle de saint Benoît, les frères seront vraiment moines lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains. Le monastère devant se suffire à lui-même, on y rencontrait des religieux maçons, boulangers, forgerons, bûcherons. Entre 1650 et 1730, l'abbaye connut une période de prospérité dont témoigne la façade occidentale de l'église, reconstruite en 1685. Pourtant, lorsque la Révolution française éclata, il ne restait plus que trois religieux sur place. En 1790, les bâtiments conventuels et l'église furent vendus comme bien national. L'église tomba en ruine et les bâtiments furent dégradés. En 1877, Léon Leroy, député du Finistère, racheta le tout, transforma les anciens bâtiments conventuels en châteaux et aménagea des jardins. En 1940, ce château fut réquisitionné par l'armée allemande comme lieu de repos pour ses soldats. Le château fut incendié en 1944. Les propriétaires héritiers de Léon Leroy préférèrent abandonner les ruines. Depuis 1991, le domaine de 120 hectares est propriété du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Un musée installé dans le logis abbatial retrace l'histoire du lieu. Yeah.